Bonsoir à tous. Je suis rue de la République à Rouen avec mon masque à gaz. C'est génial. Waouh. Non, mais attendez, c'est pas le sujet en fait. Je viens de sortir. J'ai appris l'Élysée, j'ai appris le ministère de l'Intérieur, j'ai appris le 17 pour les secours. Alors disons, écoutez, on a un souci. On est à peu près 150 et 200 personnes. On est retenu en otage. Donc ils m'ont dit par qui? Par la police. Donc je disais, ouais, la gendarmerie, la police, tout ça, ils nous retiennent en otage. Donc là, il est à peu près... putain, j'ai pas ma montre. Je le mettrai en post-prod, c'est pas grave. On a enfin pu sortir. Et je vais vous expliquer la méthode. C'est qu'en fait, je les ai rendus dingues. Je les ai rendus complètement fous. C'est que je me suis dit, écoute, ils nous retiennent. Ils ont fait un cercle, machin, donc ils nous gardaient tous à chaque fois. Et moi, à chaque fois, je faisais une interview voilà, d'un gendarme, d'un policier, et puis je regardais son matériel et tout. Je lui dis donc, il y en avait un, il avait un fusil mitrailleur. J'ai fait, il est beau ton fusil mitrailleur. Voilà. T'as un autre, je regardais son masque à gaz, puis je lui dis donc, il est beau ton masque à gaz, quoi. Mais j'ai dit quand même, attention, parce que du P3 sans le briseur, c'était peut-être pas suffisant. Voilà. Donc, on a quand même pu. Enfin, à un moment donné, ils ont pété un câble, vu que je notais les numéros à chaque fois. Donc voilà, on a pu sortir. Donc là, moi, on m'a dit, oui, mais les ordres, ils viennent quand même du chef de la gendarmerie. Et ils viennent du préfet. Donc, Pierre-André Durand, notre préfet de Rouen, qui ne veut pas évacuer Rouen. Quand ça chauffe. Oh, la police. Oh, la police partout pour Macron. Aïe, 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 aïe. Donc voilà, nous étions encore une fois retenus en otage. En otage. Donc voilà, moi je vais vous mettre un reportage sur tout ça. Et puis bah c'est tout, hein. Donc ils ont pété une soupape. Il y avait même un mec du renseignement qui était retenu en otage. Je lui fais vas-y, on va faire une interview. Et je lui dis vas-y, c'est lui qui vient vers moi. Parce que moi maintenant je repère à chaque fois les mecs du renseignement. Et il me dit ouais je suis agent secret quoi. Je dis ah dis donc, on va faire une interview. Puis on faisait une interview carrément devant les flics. C'est-à-dire que pour ceux qui voient la vidéo, c'était pas un chef pour chefer, c'était. Enfin de toute façon vous regardez ma web TV, vous allez trouver. Et justement je disais des fois les mecs du renseignement ils vous laissent passer par rapport aux flics. Quelque part c'est rassurant. Vous vous dites quelque part il y a peut-être un ressort, même s'il est petit. Voilà. Et je vais essayer de rentrer. Je vais essayer de rentrer là. Et rentrer où? J'en sais rien. Trouver un hôtel. Voilà. Un bon accueillant dans la rue. Les Rouennais, vous savez, ils sont très accueillants. Regardez, oh, là, là. Des toiles d'araignée partout. Partout, c'est Halloween. C'est Halloween. Halloween, Halloween, Halloween. 3 minutes 13, je vais couper cette vidéo, donc voilà, merci monsieur Castaner qui n'était pas là, merci monsieur Macron qui était en train peut-être parti manger, je sais pas. Donc voilà, nous étions retenus en otage. Voilà, ah puis ils s'énervaient, ils aiment pas être filmés comme ça, les amis. Ça les a rendus dingues. Voilà, puis ça c'est les pompiers, ah, je vous montre. Ah voilà, ah, ça c'est les pompiers. Donc ça c'est, je vous ferai une vidéo par rapport à ça, hein. Un pont machin, je vais pas attaquer sur celle-là, mais j'attaquerai sur une autre. Mais en tout cas, ça c'est pour dire fais gaffe quand même à ta gueule, t'es enculé. Ouais. Je vous pisse à l'arrêt, mais vraiment, je vous pisse à l'arrêt. Ah putain, 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 putain. Alors là, je vous montre, ça c'est l'Omnia, ça c'est j'ai rencontré Edwy Prenel ici. Voilà, donc tu veux taper la liste de Shemga. Je vais en faire d'autres, il y aura d'autres vidéos. Oh putain, je me remarre encore de ce que me disait le mec, l'agent secret. Là. Ouais, pour qui tu bosses? Je sais pas, je suis reporter indépendant. Hein. Ils m'ont encore pris pour un agent de la CIA. Un agent du KGB. Eh les gens, je dois avoir une tête d'agent secret. Ça doit être ça. Ça doit être ça. En tout cas, ils ont pas aimé. Ils ont pas aimé. Ils ont pas aimé que je les filme avec les numéros et tout. Donc si jamais vous vous faites interpeller, voilà, comme... interpeller, retenir en otage. Article R644-2 du code pénal. Entrave à la liberté de circulation. Donc là, demain, vous doutez bien qu'il va y avoir un procès, une plainte et tout ce qu'il faut. Là, c'est clair. Là, c'est clair. Là, Philippe Trenet et sa bande,
Les pimpons, non, c'est pas les pimpons, c'est la police. Ah là, il y a du monde. Ah là, il y a du monde. Là, carrément, quoi. Bonne soirée, les gens. Tiens, encore les flics. Ouais. Ah, rien. J'aime pas qu'on les filme. C'est con, j'ai ma carte d'identité ce coup-ci. Là, pour le coup, ils peuvent pas dire ouais, on va t'arrêter pour un motif. Tu n'avais pas à te tenir, à te trouver ici parce que tu ne devais pas te trouver ici. Donc voilà. Ça, c'est... Ah, il y a France Bleu aussi. Ah, il regarde. Hein. Ouais. Donc là, c'est retour à Brizou. Hein. Brizou, vous savez, c'est juste à côté de Brizou. Je leur ai dit quand même, dis donc, là, les vapeurs de l'usine, ça a quand même embouffé quoi, toute la journée. Hein. Pas rien à foutre. Ah, c'est le mec, il est. Oh putain que c'est bon quoi, le bon air de Rouen, ça c'est. Toutes les narines. Ah là, toutes les narines. Là, c'est. Tiens, regarde. C'est pour me faire peur ça. Ça vous suit. Ils savent où je suis. C'est pour me faire peur. Mais je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur de vous. Oh, il y a quoi? Qu'est-ce que le japonais? On va laisser se faire gazer. Hein. Faudrait que je regarde où c'est la gendarmerie. C'est. Ah putain! Et encore un peu, une coffrée, il voulait me mettre un outrage, le mec. Encore un peu, vous auriez eu 3 heures d'interview à Brizou. Ouais. Un micro dans le cul comme la dernière fois. 3 heures d'interview. Voilà. Nickel chrome. Alors Brizou, comment ça va? Bon, génial, écoute, franchement. Hein, le dernier parfum de chez Guérin, hein, c'est vraiment. C'est... Qu'est-ce que c'est bon! Bon, les gens, je suis arrivé. Là, je suis arrivé. Il y a un restaurant, je suis arrivé. Allez, bonne soirée à vous. Ciao.